Bonjour à toutes et à tous, ici Macrintor. Enfin, non, ici un cas, putain. Ouais, s'en fout, regarde. Et je suis avec Macrintor, voilà. Ouais, bonjour, moi c'est Serikai. Non, c'est Macrintor. Ah, ben, bravo, hein, ça fait mes 68 ça. Bref, moi bon, c'est Non? marrant des petits lootés, des petits ratés. Donc, Je sais ont-ils pas. accepté mon offre de paix? Ouais, ils acceptent mon offre de paix, cool, super. J'ai Maintenant. pas fait mes 68, moi. Bon, t'aurais pu, t'es vieux toi. Là-bas, Navarre, donne-la pour dit, donne-moi toutes tes thunes. Tu veux pas, donne-moi réparation de guerre. Voilà, 65. Dès que j'aurai pris ta capitale, ça va le faire. Ah, il s'est rebarré aussi de. C'est bien, il avait avancé le siège de Narbonnais. Donc le Dauphiné qui se fait défoncer par la Bourgogne mais qui pourra pas courir, ça c'est une putain de bonne nouvelle. Là-bas, ça dit quoi? Ça avance. Et après, prochaine étape, je vais me faire Calais. Calais, quel est le niveau, ça? Niveau 2. Niveau Enfin, donc, j'ai 3. envoyé mes. Hein, niveau Bon, 2 seulement? niveau 2, ouais. Enfin, seulement, suffisamment casse-couille, hein. Ah, tiens, t'as la Provence qui est réapparue dans l'offre de paix avec le Dauphiné. Ah, ça tombe bien. Elle pense gratuite par Angleterre. Bon. De qui? La Provence? Bah, je suis déjà en guerre avec eux. Et l'Angleterre n'a pas rejoint la guerre? Ça va, c'est déjà en guerre contre toi, bah, dans la guerre contre la Bretagne? Contre la Bretagne, ouais. Peut-être pour ça, ouais. Elle dit, tu veux venir? Il fait, non, c'est bon, la France, je veux plus en entendre parler. Mais allez, vas-y, viens. Non, les gars, oubliez-moi. Allez, on va se marrer. Le siège de Navarre, je suis à 21%. C'est bon, ça. Lui, il va où? Il va à Teruel. Teruel, c'est où? Bah, il va au sud, c'est encore mieux. Toi, la Corse, ça va. Limite, rembarque, peut-être débarque. Enfin, dégage tout ce que t'as en trop sur la Corse. Parce que tu te bouffes de l'attrition pour rien. Attends, on va faire un truc sympa. J'ai Eh envoyé ouais, je vais Joseph de m'oublier. la Tour d'Auvergne. Le siège de Navarre est terminé. Ok. Donc, nous en étions à. Là-bas. Nous disions donc Navarre, donne-moi toutes tes thunes, donne-moi tout, donne la province à Toulouse. Parfait. Lui, il va aller me faire le siège de Calais. Nickel. Ici, il faut combien d'hommes? Siège niveau combien? Niveau 2, donc ça fait 7000 hommes. Non, 6000, 7000 hommes, si. Les calculs d'apothicaire. Vas-y, je mets 7000 hommes comme ça, je prends pas trop d'attrition. Je suis à combien de manpower? Je gagne 242, j'ai plus d'attrition. Ouais, c'est bon signe ça. C'est décembre, hop. On va faire le siège de Calais. Ça dit quoi à la Corse? Ça dit que t'es bien. 35%. Si ça se passe bien, on va bientôt pouvoir courir Burgas. Un truc qui est pratique avec les hordes, c'est que tu peux raser les provinces pour récupérer des points de développement. Ouais, tu rases les provinces, tu récupères des points de développement et en plus ça coûte moins cher à courir derrière. C'est Et moi ce ça. que j'avais trouvé une fois ce qui était pas mal sur un scénar, c'est en fait un ennemi, je lui deux provinces ou une province, un truc comme ça, je lui déclarais la guerre, je lui piquais sa province, je lui rasais sa province, je lui rendais la province. Je lui déclarais la guerre, je lui rasais, enfin ou je lui rasais ou je lui pillais, c'était une source de points de tribu. Et après vous avez des Ouais. bourrins comme Marco Antonio, DDRJ, que les mecs qui font des World Conquest en 1400, 1500. Ah, vas-y, je te nique. La Ta Corse mère. est... Attends, je passe à Corse. Attends, je passe à toi histoire que tu puisses la vassaliser. Ouais. Je vais exfiltrer juste mes 9000 mecs. Ah, Tu vas quand tu veux, hein, tu... ouais. Dac, diplomatie. J'ai mis en pause. French vassal. Ah, il veut pas pour l'instant. Ah, je vais me taper une coalition avec l'Angleterre dans la coalition. Comment dire? Comment je m'en bats les couilles? L'Angleterre, la super menace. Ouais, un fort défense plus un. Ouais, bon, bah on va prendre. Hein. Oh, Moscou, tu fais peine à voir, il te reste une province. Oh, Je vais j'ai pas peine raser la pour flotte toi. corse tant que tu y es. Oh, si, je vais y arriver. Mais pourquoi tu veux la raser si ce sera ton Parce vassal? que. Ah ouais, mais parce qu'il veut pas encore faire la. Il veut pas Il faire veut la pas paix. mon love the paix. Waouh! Waouh, évite de la. Waouh, si tu peux. Oh putain, Oh, tant l'enculé. pis. YOLO, je débarque avec mes troupes, je vais te défoncer. Bim, Bah, bam, le mec boum, a voulu boum. faire la paix, tant pis, hein, vous jouez au con. Ah ben, exactement. C'est bon? Il veut faire la paix ou pas? Je sais pas, je vais te dire ça. Ce serait Non? bien. La Corse. Non, il veut pas. Pas encore. Bah, Bon, attends, bah tu après. rases une autre flotte, tu vas voir.
Bonjour. C'est bon, il n'y a plus de flotte corse. Normalement, il devrait faire la paix, il n'y a plus d'hommes, plus de flotte. On a toujours pas, il veut pas. Ah. Louis XI de Valois est mort. Le roi est mort, vive le roi. Il la veut toujours pas. Le siège d'Anjou est terminé. Ok, donc. C'est pas que je vous montre un peu insistant, mais c'est que je peux pas faire les traités de war quand je suis en guerre. Ouais, je fais vite. Attends, je vais mettre en pause parce que comme ça lag un petit peu moins pour faire ça. Non, je vais même tout enlever ça. On les envoie. Ok, donc la Corse. Ah voilà. Tu deviens bien mon vassal. Je te rackette toutes Ouais. tes thunes. Comme ça, t'en tiens pas compte. Je vais piquer tous les unis, après je vais faire un don à la Corse. Ah, j'ai récupéré la thune Corse en plus, encore une partie. Bah ouais, et la Corse, tu me kiffes pas trop, mais t'inquiète pas. Ah non, je peux pas pour l'instant. Ok, la Corse, il me kiffe pas trop, mais c'est pas grave. Il nous reste quoi? La Corse, Il il kiffe pas trop la France. nous... Bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, ça va, il est qu'à 11 d'ailleurs, ça va. Ouais. T'as vu qu'elle fait la Provence, a fini la Provence et puis c'est bon. Putain, je vais me faire casser le cul en Savoie. J'ai un peu envoyé mes troupes sans regarder où j'allais. Ah zut, j'ai mes armées dispatchées en 3 et l'autre il m'a tapé dessus. Tic tic tic. Après, le prochaine étape, c'est je me fais une flotte. Là, c'est bien en fait, je crois que celui qui va pas m'aimer, en fait, concrètement, c'est le, c'est l'anglais. Bon, comment dire. Ça tombe bien, l'anglais, Un t'as temps. le Maine et t'as Calais qu'à moi. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. La Provence, je vais refourguer. La Provence est fort calquée à Toulouse. Ce DLC Purple Phoenix là qui file des fois. Ouais, bah plus 50 de puissance militaire, plus 50 de diplomatique. Sympa, hein. Merci le DLC. Le DLC justement, il avait pas été, il n'y avait pas une histoire qu'il était plus actif depuis un certain temps et que ça c'était les missions tout simplement de l'Empire byzantin. Ah non, Si moi non, je suis nul. c'est des fois bah, des events comme ça. Alors voyons, Paul Diet. Demande military support. Mon Valois est Ah oui, c'est vrai que je vais enlisté. faire entraîner les troupes, moi. Bon, le siège de Calais, il avance. Le siège de Provence s'avance. La Provence, tu m'offres la paix. Non, la Provence m'offre pas la paix, la Provence, tu vas disparaître. Ah, t'as les Anglais qui débarquent en Corse. Ah merde. Si tu veux, si t'as ta flotte pour lui péter sa flotte. Alors, 14 Écoute. navires de transport, 6 navires de commerce. Donc si tu pouvais y arriver à temps, ils arrivent dans le 15 novembre, ouais, dans 13 jours. Mais au moins, si on Mais pouvait les oui. bloquer là-bas. On va essayer. Ah ouais, si je leur pète leur flotte et que je les bloque. Ah là, on peut s'amuser ouais, avec ces troupes bloquées à terre. Le siège du Calais est terminé. Putain, ça c'est une nouvelle qu'elle en est bien. Avec l'amiral Hectorios Fouskarnaki. Et il fait Mais ton. YOLO, je vais te défoncer. Et bim. Allez, bam. Est-ce qu'on peut regarder la bataille? Ouais. Ouf! Oh, le moral. Oh, t'as fait un beau jet lui aussi, mais oh, le moral, il prend cher chez eux. 5 navires de transport, 4. Enfin, 4 navires. Ouf! Oh là. Oh, Et bah ma ouais, flotte tu. anglaise? Oh là, c'est bien, tu t'es gavé.
Bah, les gloss anglais, c'est bien, vous allez vous prendre un peu de. Est-ce que je les poursuis? Tant que tu sors pas de la Méditerranée, je te dirais ouais, vas-y. Bah, je vais pas dépasser le golfe d'Almeria parce qu'après c'est de la haute mer. Là, ce que j'aime bien, c'est que t'as le. La Provence, il y avait des troupes en Savoie, et là, je suis revenu avec mes 13 000 hommes et les 17 000 hommes de Toulouse. Il fait ah, attends, en fait, c'était une blague, hein, je vais pas faire la guerre avec toi. Non, je vais pas les sources que je retrouve l'attrition. Faut que je répare la flotte. Bah, je vais envoyer bah, en Italie du Sud. Je suis content d'avoir ce pied-à-terre en Italie du Sud. Ouais, ça te permet de rayonner dans le coin. Ouais. Allez, Par contre, vite, la Provence, Toulouse. elle te casse les dents, la Provence, là. Ouais, enfin non, c'est un détail, t'as l'impression, mais en fait, le truc, c'est que j'arrive, mais je suis loin. Putain, ils vont me casser mon siège, ce con. Battle of Provence, c'est merde. Putain, on arrive trop tard. Ouais, au moins, tu vas laisser ta quoi épée. Et prenez Fort Calquier aussi, histoire de pouvoir. Ouais, mais justement, qu'ils arrêtent de produire des troupes. Et la Bretagne, ça veut pas finir la... ça veut pas finir la guerre là? La Bretagne. Ah ouais, pas con. Bah, la Bretagne. Pourquoi j'ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce qu'il y a l'Angleterre dans l'offre. Je vais. Ce que je vais faire. Ah ouais, t'as raison. Je vais faire une pause. Un truc L'Angleterre. salaud à faire, c'est que ce serait de dire je prends par exemple le Maine à l'Angleterre, c'est tout, et après je fais la paix avec la Bretagne. Comme ça, bah, l'anglais il dit. Ouais, je vais dans la guerre à nouveau au côté de la Provence. Ok, moi je suis pro Calais cette fois-ci. Ouais, mais si je flappais, je perds Calais. Non, mais ce que je vais faire, je vais dire à la Bretagne, je te fais la paix, tu me donnes tous tes territoires, plus les territoires anglais si je peux prendre. Mais le Ah problème, oui, c'est c'est que pas idiot j'aurais. ça, vas-y. Mais je pense que j'aurais du mal. Ou je peux dire, je te fais la paix, la Bretagne, mais je te prends que le Maine et Calais. Voir, est-ce que je peux prendre. Non, je pourrais pas prendre Kent. Et si je prenais toutes ces provinces, je pense qu'ils seraient pas top. Non, j'ai pas assez de points. Putain, je peux pas faire tout. Bah attends, je suis con. Combien il a de développement, la Bretagne? 87. Moi, je pourrais tout prendre. Calais et Maine, et je prends Finistère, Armor, Vannes. Ouais, je Les pourrais prendre. Provençaux, là, il leur reste 2000 hommes là qui sont en train de siéger Montpellier. Faut que tu aies ça quoi et pas. Finis-les. Ouais, bon, il y a le temps, mais tu sais, mes troupes elles sont un peu fait over-défoncer. Non, mais tu prends Fort les 13 000 que. Calquier, Les ouais, 13 000 à je vais Fort Calquier, tu laisser. divises en deux, c'est tout. Bon, Fort Calquier, Ouais. tu sais, c'est une province, donc j'ai juste besoin de les. Ouais. Je les laisse une unité. Ouais, tu es 1000 pécores, ouais. 70. Hey, t'es la première puissance mondiale? T'as un point de développement de plus que moi. Normal, ça classe. Ouais, t'as raison, c'est pas possible. La France occupe Fort Calquier et j'ai stacoépé son armée. Voilà. Non, lui. On va lui donner mon leader de siège. Sais quoi, je vais faire un Voilà. soutien logistique, je vais envoyer ma flotte pour faire du blocus de la Provence. Et comme ça, au cas où, bah, si la flotte anglaise vient chercher leur armée qui est piégée en Corse, ben, j'intercepte. Alors voyons. Là, que je dise. Donc, la Provence, Fort Calquier, je fourgue ça à Toulouse. L'Anjou et le Bas-Poitou. Je vais pas le clamer, je m'en branle. Ouais, voilà, ça nous aidera à faire l'avancée du siège. Que j'étudie maintenant. La paix avec la Bretagne. Je peux même pas lui prendre tous ses territoires. Par contre, je pourrais limite un peu taper la Bretagne. Et Ouais. juste me. En fait, c'est vrai que l'avantage de garder Maine et Calais à l'anglais, c'est que ça me fait des points de victoire contre l'anglais. C'est Enfin, combien ça. j'en ai? Est-ce que j'ai assez? Parce que je regarde, j'ai ça. Je peux faire une paix blanche. Ah, je peux faire une paix blanche contre l'Angleterre et gober la Bretagne. À Sachant toi que de c'est des voir. territoires qui. Après, l'avantage de prendre Calais à l'anglais, mais il veut pas. Non, il veut pas. Est-ce que je peux lui prendre? Non, je pense que je vais faire une paix blanche contre l'anglais. Ça sera beaucoup, surtout que t'as quand même main encore. Ouais, mais c'est un permacord, donc je suis tranquille. Non, je vais faire une paix blanche contre l'anglais. Comme ça, je peux gober complètement la Bretagne. Voilà, avec toutes tes thunes. Non. L'Angleterre a annoncé Byzance comme rival, mais t'as que ça à foutre l'anglais. Regarde,
Regarde, là où se trouve l'Angleterre, il y a regardez, là où se trouve Byzance. Byzance, Il n'y a ouais, pas non autre mais chose de c'est plus trop. dangereux, je sais pas, peut-être le Danemark. Toledo qui rentrait dans une coalition contre moi, comment dire? Ah non. Ah bah c'est normal, l'Angleterre a déjà le Danemark, la France en rivaux. Et la seule autre grosse puissance, c'est Byzance. Prochain objectif, choper Cambrai. Ah bah c'est en Bourgogne. Bon allez, finis-moi le siège de la Provence, là, qu'on en finisse une fois pour toutes. Ouais, qu'on puisse être en paix. Ouais. Bon, Ferrara, Sardaigne, Cologne, le siège de France, Bourgogne. Oh putain, moi j'ai une coalition. Ouh! Ouh! Ouh, il y a du monde dans la coalition. Ouf! Putain de séparatisme et de burnes. Ouh! Il y a tout le Saint-Empire romain germanique dans la coalition contre moi. T'as pas encore fait le con, toi? Ben non, j'ai juste récupéré mes territoires. Tu n'apprendras jamais. Je sais pas si. Donc qu'est-ce que je fais avec la Provence? Est-ce que je gobe la Provence? Peut te Ouf! voir. Ouais, non, 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 non. La Provence, t'as du bol. T'as du bol. La Provence, tu vas me faire, tu vas me donner Steer Trade, War Reparation, toutes tes thunes. Voilà. Alors, je te conseille de trouver quand même d'autres alliés quand même. T'as qui comme allié? Bah, je sais pas, je vais regarder ce qui est gros. La Pologne peut-être? La Danemark? Oh là là, il y a le monde entier en coalition contre moi. Mais le bourrin, mais regardez-moi ça, il a recommencé. Mais j'y peux rien, c'est pas moi. La Pologne, tu veux pas? Eh, la Pologne, tu es de mon allié. La Pologne, c'est mon allié. Le Il y a Danemark. vraiment du cul. Le Danemark, c'est mon allié. Voilà. Ah, je me sens un peu moins. Je me sens un peu moins faible. Toledo, il m'aime pas. Oh là là, le monde entier, Byzance, c'est toi le Danemark, c'est. Oh là 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 là. Le pape. C'est rien le pape, il vaut rien le pape. Ah, Liège se prépare à attaquer. Liège se prépare à attaquer qui? Toi. Oh bon après niveau manpower je suis à peu près revenu, niveau finance je suis à peu près correct. J'ai ça juste pour trouver la mise. T'as pas le Danemark qui voudrait bien s'allier avec toi ou les Non Asturias? mais c'est bon, le Danemark est allié avec moi, la Pologne est alliée avec moi, t'es allié avec moi, je pense que j'ai du monde, mais j'ai du. Je pense qu'en face on a du répondant quoi. Ah, j'ai réussi à m'allier avec Danemark et Pologne. War is coming. Lucas m'insulte. Aïe, 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 Ouais. aïe, 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 Oh putain! aïe. Bon, regarde la tronche de cette guerre contre toi. Oh, yo, 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 Bon, bon, on fait quoi? on faiblit. Ah ouais, Ouais, là. j'accepte. Ouais, bon, on va gérer. Bah attends, 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 attends. Je vais voir un truc. Rejoins la guerre. J'accepte. Parce que l'avantage, c'est que s'il y a beaucoup de monde, je peux peut-être faire une paix en disant, ah, papa, vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Offer tribute, suggest offer, je z Artois à la Bourgogne, Brittany, je relâche la Bretagne et Nevers, je lâche mon overlordship over Corsica. Pff, honnêtement, ça me dérange pas, hein. Je repère la Bretagne, ouais, je repère la Bretagne et Nevers, mais Nevers n'est plus sous contrôle bourguignon. Je cède l'Artois à la Bourgogne. Ouais. Et je perds la Corse.
Voilà. Voilà. Là, l'exemple typique, vous voyez les gens, hein? Voilà, fin de la guerre. Voilà, c'est le genre de gars. On peut gagner la guerre, mais elle va être affreuse pour nous, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue. C'est affreux. Donc, dans un cas comme ça, on fait bah, vas-y, je te rends les territoires, parce que la Bretagne, je les reprendrai quand je veux. Nevers, je m'en bats les couilles. La Bourgogne, ça va être mon prochain jouet. Donc voilà, indirectement, il est allié avec le Dauphiné et Gascogne. Le Dauphiné, on peut lui déclarer la guerre à peu près quand on veut, et Gascogne quand on veut. La Provence, ouais, voilà, donc ouais. Bon, ben voilà. Bon, et ça fait le timing de fin d'épisode. Alors, c'est bien parce que j'ai remarqué une chose, c'est que ta promesse de pas faire le con là, c'est du 3 épisodes. J'y peux rien! Ils ont des baskets. S'ils ont des baskets, ils rentrent pas. Bon, bah sur ce, les gens, on vous abandonne. On vous dit à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde. Au revoir les gens.